Cyril, 42 ans, habite à Cannes. Ce chef barman en hôtellerie de luxe et amoureux de cuisine compte bien faire ses preuves. Notre candidat tient à sa disposition un panier d'ingrédients dans lequel il peut choisir ce qu'il désire pour créer sa recette. Seules les noix de Saint-Jacques sont imposées et l'anti-gaspillage noté. Des légumes par-ci, des fruits par-là, Cyril fait son marché. Le visuel faisant partie de la grille de notation, le candidat a le choix entre différents services d'assiettes. C'est parti pour 1h15. Cyril débute par les tranches de jambon de Parme qu'il passera au four pour les transformer en chips. Il poursuit par la réalisation d'un crumble de parmesan. Pour cela, il malaxera 50 g de farine, 100 g de beurre et 50 g de parmesan avant de passer le tout au four. C'est l'heure de la préparation des panais qu'il va trancher en deux et cuire au beurre. La betterave jaune, quant à elle, sera coupée en fines lamelles et cuite dans du vinaigre blanc, de l'eau et du sucre. Une fois portée à ébullition, la cuisson est stoppée et un film alimentaire vient recouvrir la casserole pour laisser infuser pendant 45 minutes. Le reste de la betterave ainsi que la peau épluchée seront réutilisés pour faire une sauce épaisse type ketchup. Cyril est à l'aise au sein de cette cuisine professionnelle, ce qui n'échappe pas à notre chef étoilé Joël Garot. Cyril prépare sa sauce beurre blanc. Pour cela, il émince les échalotes qu'il fera réduire au vin blanc. Il y ajoutera du jus de mandarine pour parfumer et terminera de monter la sauce au beurre. Épluchures de betterave et écorce de mandarine continuent leur cuisson. Il est l'heure de préparer la base de sa recette, les noix de Saint-Jacques. La technique de Cyril consiste à retirer les nerfs à l'aide d'un couteau fin et l'extraire de sa coquille grâce à une cuillère. La sauce ketchup est terminée. Il mixe sa préparation et y ajoute des zestes de mandarine. Le crumble est presque prêt. Notre candidat décide au dernier moment de faire gratiner une couche plus fine pour un meilleur plaisir gustatif. La sauce beurre blanc se termine, les feuilles de chou kale rissolent dans le beurre. La dernière étape approche. La cuisson des noix de Saint-Jacques avant le dressage des assiettes. Cyril s'applique dans la présentation de ses plats pour séduire le jury, car il est composé de chefs renommés de Monaco et membres de l'association Monaco Goût et Saveur. Place à la dégustation, bravo Cyril!
messieurs, voici l'intitulé de l'assiette. C'est une noix de Saint-Jacques rôtie au beurre avec son panais rôti, son pickles de navet jaune au vinaigre et un chouka. Et vous avez également un chutney de parure de navet accompagné d'une sauce beurre blanc. Légèrement aux agrumes, du coup avec la mandarine. Et une petite chips de jambon de Parme pour donner un peu le croquant. Donc Cyril, tu viens de nous envoyer ton plat. Comment te sens-tu? Quelles sont tes impressions? Bah écoutez, les impressions sont pas mal. Du coup, j'ai pas pu tout finaliser correctement comme je le voulais moi-même. Mais bon, du coup, voilà, c'est fait, c'est passé, c'est terminé. Donc même si tu n'as pas pu tout finir comme tu voulais, est-ce que tu as quand même réussi pendant l'épreuve à faire une petite pirouette et à retomber sur tes pas? Oui, tout à fait. J'ai réussi à faire des choses sympas, je pense, pour moi. Après, on va voir avec le jury final. C'est l'essentiel. Maintenant, ils sont en train de goûter, ils vont délibérer. On aura la réponse bientôt. Merci. Merci à vous. Nous venons de déguster l'assiette de Cyril. Nous avons été surpris par une belle assiette, bien préparée, avec bien d'équilibre des saveurs. Une cuisson des Saint-Jacques parfaite. Je pense que cette assiette aura de la chance de pouvoir aller en finale. Avec Cyril, eh bien, nous avons eu un candidat qui s'est exprimé sur la valeur de tout ce qu'il y avait comme ingrédients dans le panier, avec un résultat fort séduisant. Isabelle fera-t-elle mieux avec le même panier? Retrouvez-la dans le prochain épisode, le mardi 15 février à 17h.